Ça prend une aide d'urgence, ça prend des sous dans les poches des personnes. Marielle Bouchard n'est pas la seule à militer en faveur d'une aide d'urgence. De nombreux organismes font pression sur le gouvernement. On a fait des sondages internes. Là. Les gens estiment à entre 100 et 300 $ là, pour la majorité de dépenses de plus. Fait que les gens s'endettent, en fait, puis il n'y a vraiment rien là, pour venir compenser ça. Je suis quelqu'un qui a été marqué beaucoup par la pauvreté dans mon vécu. Et pendant la pandémie, l'impact qu'elle a eu de façon majeure, c'est vraiment de voir que de mes enfants étaient dans une situation très précaire. Il y en a qui n'ont même pas été capables de manger à tous les jours. À la veille du dépôt du budget provincial, des affiches sont apparues sur la colline parlementaire. Les personnes en situation de pauvreté veulent être enfin entendues. Je suis en colère, je suis déçue, je suis désillusionnée aussi. Puis dans mon quotidien, je suis un peu désespérée, j'ai de l'anxiété. Il faut que je gère tout ça. Ouais, c'est très difficile. Je suis pas la seule. J'entends des témoignages comme les miens, j'ai des dépenses à faire pour ma santé que je suis pas capable de faire en ce moment. Tout est plus compliqué, j'ai besoin d'aide. Des élus de l'opposition les appuient dans leur démarche. C'est pas de la charité que le monde demande, c'est des sommes d'argent pour les aider, puis faites-leur confiance. Je m'attends, lors du prochain budget, qu'il n'y ait pas juste une ligne, qu'il n'y ait pas juste une page, qu'il y ait un chapitre en entier sur la solidarité sociale. Pour Marielle Bouchard, il est temps que ses citoyens obtiennent de l'aide. Avec les prestataires d'aide sociale ou les femmes à statut précaire avec qui on parle au quotidien, une des conséquences de la pandémie, c'est un très grand et très partagé sentiment d'être ignoré par le gouvernement. Au cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on se dit ouvert à des ajustements pour soulager la tension vécue par les personnes assistées sociales. On précise que les orientations du gouvernement seront connues lors du budget, la semaine prochaine. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.